Bonjour tout le monde, comment allez-vous avec ces énergies <laughs> Alors, euh, ben je reviens vers vous, on va se faire une petite lecture des énergies actuelles, je pense que c'est un peu indispensable, surtout que j'en ai pas fait depuis une bonne semaine maintenant, en fait j'ai pas refait de vidéo depuis le dernier live, je m'en excuse, mais... Euh, Ouh, depuis octobre, ça se couvre, ça part dans tous les sens, euh, c'est assez incroyable. Donc, euh, donc voilà. Alors je serai en live ben, ce soir, hein, on est mardi, donc euh, ce soir euh, on se retrouve en live. Je ne sais pas encore trop, euh, voilà, j'avais parlé d'en live trans-incarnation, mais euh, je ne suis pas trop dans les énergies actuelles on le fera plutôt la semaine prochaine euh, cette semaine, voilà je vais, je vais on verra ce sera, une, ce sera sûrement une guidance flamme jumelle, on va voir comment le live va partir mais de toute façon je serai présente à 20h ce soir, on se retrouve ce soir euh, je vais me centrer un peu et on va aller se faire euh, cette lecture des énergies afin de, ben, vous accompagner au mieux, d'accord, à travers euh, euh, ben, ces énergies qui nous entourent actuellement euh, donc, on va prendre une grande respiration et se centrer. Alors, il euh, y a beaucoup de choses euh, à dire de ces énergies, déjà un petit récapitulatif euh, par rapport à la semaine dernière, euh, parce qu'on a eu euh, Mercure qui a arrêté sa rétrogradation, mais on a eu aussi... Euh, ben, les nouvelles énergies d'octobre, on sent que cette différence énergétique entre octobre et septembre, euh, mais c'est aussi en lien ben, justement avec Mercure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mes dernières guidances, je vous parlais euh, souvent euh, qu'on avait cette, cette espèce de roue, euh, donc euh, le moulin à eau, euh, dans laquelle ben, il pouvait y avoir euh, des pierres qui bloquaient, en fait, et ce moulin à eau, ben, c'est. C'est nous, c'est notre vie hein, et euh, tout ce qu'on a envie de mettre en place, qui était fort bloqué en fait pendant pendant très longtemps. On a pu ressentir euh, ce blocage énergétique euh, dans l'avancement euh, de nos projets et de ce qu'on désirait mettre en place. Et euh, cette pierre, c'est vraiment enlevé d'un coup. Euh, je pense que beaucoup vous avez pu le ressentir. On a eu, euh, enfin depuis une semaine, on ressent en fait cette roue qui qui qui, qui se remet en route euh, où on a euh, de nouveau cette opportunité de pouvoir mettre les choses en place. Euh, Peut-être que des situations se sont débloquées de votre côté, des nouvelles prises de conscience, euh, de nouvelles choses qui sont arrivées à vous après. Euh, euh, on était déjà dans les énergies de la pleine lune la semaine dernière, cette pleine lune qui est en bélier, et c'est une pleine lune euh, qui est impulsive, d'accord C'est une pleine lune euh, où euh, il y a beaucoup d'imprévus aussi, euh, beaucoup de remises en question, beaucoup de dualité, euh, beaucoup d'émotions qui remontent. Euh, cette sensation, en fait, euh, d'avoir euh, la tête vide et de, 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 de peut-être pas savoir... Euh, c'est très particulier parce qu'on peut se sentir vide et rempli à la fois euh, avec cette sensation de n'avoir aucune prise sur les événements qui arrivent. Euh, et et c'est très instable comme, euh, comme énergie parce que euh, malgré qu'on peut mettre en place quelque chose, euh, et ben, on se rend compte que, 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 que la plupart du temps, ces derniers jours, il euh, n'y a rien qui se met en place euh, comme. Euh, comme on en a envie et euh, on a du mal aussi euh, moi ce que j'ai rend... je me suis rendu compte c'est euh, le choix des positionnements et des décisions et ces décisions c'est ce positionnement cette dualité on peut la vivre dans plusieurs aspects de nos vies on a aussi cette, cette notion de comme si on venait un peu nous tester euh, sur, sur, cette, euh, sur notre discernement, sur notre positionnement, sur les choix à faire. Euh, C'est assez particulier parce que ça part dans tous les sens. Les énergies que. que, que C'est comme si d'un coup, on avait enlevé la pierre de cette roue et qu'elle qu part dans tous les sens, qu'elle a du mal à se stabiliser, qu'elle a du mal à. À se... ben oui c'est vraiment ça se stabiliser et se mettre dans une euh, dans un rythme en fait, euh, dans un simple rythme et, et tout c'est un petit peu comme si euh, la roue elle tournait fou comme ça et qu'on que, qu avait du mal à la contrôler qu'on avait du mal à la maintenir dans un, dans un rythme normal. Euh, tout, ça, ça, tout ça, ce sont les énergies que, que, que nous vivons actuellement, et vous pouvez vous sentir totalement déstabilisé, voire totalement désancré de vous-même, avec euh, une tête très dans le flou, l'incapacité de, de, de vous concentrer, de, de réfléchir peut-être correctement, avec des émotions qui remontent un peu dans tous les sens, un peu un feu d'artifice intérieur, mais extérieur aussi. C'est-à-dire que à l'extérieur on se rend compte aussi que tous les événements nous arrivent de manière imprévue euh, de manière rapide et qu'on a du mal à, à, à tout gérer c'est comme si tout nous tombait d'un coup dessus et euh... Et là, euh, en fait, c'est le conseil qu'on que, qu a envie de vous donner, que j'ai envie de vous transmettre, c'est de, de ne pas prendre de décision hâtive, de, de vraiment essayer au maximum, et je sais que c'est super compliqué pour le moment, parce que ben, je vis dans les mêmes énergies que vous, et c'est extrêmement complexe, c'est d'arriver à se recentrer, à se réaligner, et à essayer de retrouver un discernement et un mental clair. Euh, la pleine lune est extrêmement puissante parce qu'elle vient vraiment faire remonter énormément de nos ombres. Euh, moi, je voyais le, le, le guerrier, mais le guerrier sombre, parce que euh, le bélier, c'est un petit peu le guerrier, euh, mais il y a les bons guerriers et il y a les mauvais guerriers. Et cette pleine lune vient vraiment euh, nous remettre euh, sur notre chemin, euh, peut-être pour certains. Euh, votre, vos, vos parts sombres de vous-même et de voir, tiens, est-ce que si je te propose de retomber euh, dans, certaines, dans, ce, dans certains travers ou d'addiction ou de, de mauvaises habitudes, est-ce que tu y retournes ou est-ce que tu restes sur le bon chemin C'est un peu un test, hein. Moi, j'ai ce sentiment qu'on nous teste beaucoup euh, sur beaucoup d'aspects de nos vies. Si est-ce que vous retournez dans le sacrifice, est-ce que vous retombez dans vos dépendances, est-ce que euh, vous retombez dans mauvaises habitudes, est-ce que, enfin, voilà, c'est vraiment un test intérieur et où en fait on vient nous remettre sur un plateau euh, nos parts sombres. Et en plus, c'est une vidéo que j'aimerais bien vous faire parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'ombres. D'accord, le mois d'octobre est souvent le mois le plus sombre de l'année. Euh, énergétiquement parlant et, euh, et c'est vrai que c'est très en lien avec les énergies pour le moment et, et euh, c'est parts d'ombre de nous qui peuvent remonter mais vous pouvez voir les parts d'ombre des autres aussi c'est à dire que cette pleine lune va venir aussi vous montrer euh, le bon et le mauvais côté des, des personnes qui vous entourent et, et toutes les parts sombres des personnes autour de vous autant que les vôtres vont se révéler et je pense que vous avez déjà pu vous en rendre compte la semaine passée. Euh, et cette semaine, euh, cette pleine lune vient vraiment euh, mettre en lumière toutes les ondes d'ombre euh, à tout point de vue. Et c'est très lourd. Vraiment, c'est très lourd, ça peut nous mettre dans la confusion, dans le doute, euh, dans cette dualité intérieure, avec en plus une fatigue incroyable. En fait, ce qui se passe aussi énergétiquement avec cette pleine lune, c'est qu'elle vient renettoyer euh, tout, toutes nos parts d'ombre. Encore une fois, on reparle de nos parts d'ombre et, et, euh, énergétique euh, énergétiquement. Pardon, j'ai du mal à parler. Et on vient un petit peu, on est un peu comme dans une essoreuse comme ça, et où euh, tout, euh, tout, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui est sombre en nous va être projeté à l'extérieur. Et euh, vous pouvez avoir énormément d'insomnie, des sommeils très agités, voire euh, euh, des sommeils très lourds, avec la difficulté de vous réveiller le matin, l'envie de rien faire, mais vraiment de ne rien faire. Euh, vous êtes peut-être lourd dans le corps, euh, lourd dans le mental, lourd dans les émotions. Euh, on a ce sentiment de. Pff, on n'a pas envie, on n'a pas envie, on est peut-être très impulsif, plus irritable que d'habitude, se mettre dans des colères plus facilement, avec la difficulté en fait euh, à, se, à comprendre pourquoi euh, toute cette impulsivité, cette irritabilité, euh, ce manque d'attention, l'inattention. Faites attention à l'inattention parce que. Euh, le fait d'être dans un mental confus comme ça et un peu dans le brouillard, un peu décentré, désancré, c'est vraiment les moments où vous pourriez avoir un accident domestique, un accident sur la route. Euh, voilà, il pourrait arriver ce genre de choses. Vous cognez plus facilement euh, sur des murs, ne pas faire attention, euh, vous coupez, euh, vous brûlez. Enfin, euh, fait, voilà, faites très, très, très attention parce que euh, ce genre de choses peuvent arriver. Euh, voilà. Après, il y a beaucoup aussi euh, ce, ce, ce nettoyage intérieur, euh, vous pouvez avoir des nausées, vous pouvez même vomir complètement, avoir des irruptions cutanées, euh, avoir euh, des maux de ventre, problèmes digestifs, des maux de dos, euh, voilà, des, des maux qui se réveillent des maux de tête, des maux de gorge. Voilà, essayez de voir un petit peu au niveau somatologie euh, ce que ça pourrait venir vous donner comme information sur ce que vous traversez. Mais s'il vous plaît, allez consulter un médecin si ça ne va pas. D'accord, s'il vous plaît. Parce que euh, ça reste quand même des maux physiques. Moi, je ne suis pas médecin. Ce sont des énergies. On peut être impacté énergétiquement au niveau du corps. Euh, mais je sais qu'en en fait, on est en train... De, de digérer quelque chose et euh, en, non pas de digérer. Enfin oui et non. En fait c'est mm, mm, indigeste tout ce hors de trois. Oh, Recentrez-vous dans ce que vous voulez me dire s'il vous plaît. Euh, je pense que nous sommes dans une indigestion de la société. Que euh, actuellement on est aussi impacté par ces énergies euh, planétaires au niveau des égrigores euh, dans le sens où euh, ce qui se passe actuellement dans le monde est à vomir. D'accord euh, Donc, cette, cette sensation de nausée, de non-digestion, de, 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 de ballonnement, tout ça, soit c'est vous qui venez en fait euh, euh, faire une forme de détox et de un nettoyage profond. Euh, de certains de vos anciens schémas, de certaines euh, voilà, de, de choses qui n'ont plus lieu d'être en vous, donc votre corps va bah, les expulser de cette manière-là, mais ça peut être aussi en lien avec euh, les égrégores planétaires qui pour le moment sont dans un dégoût en fait euh, de ce qui se passe. Euh, donc, euh, ce n'est pas impossible que ce soit même les deux liés, d'accord Prenez ce qui résonne. Moi, je vous envoie les informations que j'ai, qu'on me donne. Mais euh, ce sont euh, des manifestations énergétiques qui sont là, ok euh, Même moi, j'en ai fait les frères, hein, j'ai vomi tout le week-end. Ma fille aussi. Euh, donc, euh, ce sont des manifestations énergétiques que vous pouvez avoir. Après, consultez si ça perdure dans le temps. S'il vous plaît, d'accord Chacun son métier. Euh, moi, je ne fais que de transmettre les informations. Ok. Ces énergies vont, 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 vont perdurer encore, hein, euh, aussi lourdes que ça, encore quelques jours. Fin de semaine, ça sera un peu moins lourd dans ces énergies-là, euh, mais c'est vrai que ça va perdurer encore un peu, ce, 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 ce sentiment de. Même d'avoir la tête qui tourne, de, de, de ne pas pouvoir, enfin d'avoir encore un, un peu un peu bizarre, étrange, dans le coton, la fatigue, cette lourdeur, tout ça, ça va perdurer encore hein, un petit peu. On verra, on verra au fur et à mesure des jours. Mais là, je pense que le message le plus important est passé. On va pas, je ne vais pas faire une guidance beaucoup plus longue. Euh... Je sens que j'ai quand même beaucoup de personnes dans le stress et l'anxiété. De tout ce qui se passe actuellement, que ce soit au niveau énergétique ou planétaire, j'ai beaucoup de personnes dans l'anxiété. Euh... On verra, euh... on verra un petit peu, parce que c'est logique, cette anxiété est normale, elle est légitime. Mais n'entrez pas trop profondément. Essayez de vous détacher en fait de l'information et euh, de vous recentrer dans votre jardin intérieur. Dès que vous avez cette anxiété. Prenez le temps de respirer, d'inspirer la paix et tout, et d'expirer de, en fait tout le négatif et tout ce qui ne vous sert pas. Faites ces respirations conscientes, essayez de vous recentrer pour voir si ça vous appartient ou si ça ne vous appartient pas. Ça va être important de se recentrer un maximum, même si c'est extrêmement compliqué. Ok, de vous ancrer tout plein aussi, euh, c'est extrêmement important. Euh, vraiment de, de, de vous ressourcer auprès de la nature, auprès des arbres et de, de vous enraciner vraiment dans, sur cette terre euh... voilà je pense que là pour le moment je vous referai d'autres vidéos cette semaine mais, euh, mais là tout de suite euh, j'ai plus d'informations donc euh, je vais laisser euh, je vais laisser la vidéo là dessus j'espère en tout cas que que ça pourra vous accompagner, vous aiguiller, vous donner des informations sur ce que vous traversez. Euh, Écoutez-vous toujours. Okay. Et de toute façon, ben, on se retrouve soit dans une autre vidéo ou bien sur le live ce soir. Euh, mais d'ici là, euh, prenez soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.